Salut à tous, c'est Megiddo pour Fatal Fury Wild Ambition, l'avant-dernier Fatal Fury, parce qu'après ça sera Garo. Bon, comme vous avez pu voir dans l'intro, ce jeu est désormais en 3D. C'est le seul et unique épisode en 3D, car à l'époque il était sorti en arcade sur le Hyper Neo Geo 64, un système d'arcade qui ne plaisa pas trop au public, la preuve, malgré la présence de quelques Samurai Shodown, ainsi que Buriki On, un remix de une sorte de suite plutôt de Art of Fighting, beaucoup de personnes le boudent. D'ailleurs, Buriki On n'eut jamais eu droit à une adaptation console. Bon, voyons les menus. On a donc le mode. Oh, pardon, il y a un combat qui commence. Comme sa version PlayStation, temps de chargement égale artwork. Et heureusement que des fois il marque les noms parce que on reconnaît pas les persos. On passe. Voilà, on a le mode arcade, le mode versus, le mode entraînement, le mode équipe. Data, ça permet de voir les coups, enfin la liste des coups et les vidéos du jeu. Ending, opening, etc. Les options, allons faire un tour dans les options. On voit qu'on a le gameplay, les niveaux de difficulté entre facile et très dur. On va laisser en facile. Le comptage du temps à ça entre lent et infini, on va laisser en normal. Le choix du round entre 1 et 5 rondes, on va laisser en 1 comme ça on verra le plus de combats possible. Le son en stéréo ou en mono. Les musiques, soit la version arcade, soit le remix pour la PlayStation. On va laisser la version arcade. Les touches. C'est toujours pareil depuis Real Boot, à savoir coup de poing, coup de pied, attaque spéciale. Et le retour du déplacement latéral, puisque là c'est en 3D et donc on peut facilement bouger autour de l'adversaire. Puis après c'est les touches additionnelles, c'est-à-dire coup de poing et coup de pied en même temps, coup de poing spécial, coup de pied spécial, les trois en même temps. Puis après on a le droit à la vibration, mais comme ma manette n'est pas vibrante, autant pas utiliser. Et de toute façon, c'est rare de voir quelqu'un montrer sa manette vibrante pendant un jeu. Plutôt pendant une vidéo, enfin vous comprenez, après carte mémoire comme d'habitude, chargement, sauvegarde, auto-sauvegarde, classement, comme vous pouvez voir j'ai fini avec tout le monde, oui j'ai tendance à pas trop marquer d'initial quand je gagne, je sais pas, le culte du score m'a jamais plu, bof, c'est moi, c'est mon avis, bon alors on sort des options, petit sauvegarde, et c'est parti pour le mode arcade. Je vous laisse à présent voir une petite vidéo qui raconte un peu l'histoire de Fatal Fury, enfin les origines, car ce jeu en fait est un remix du premier. Allez, à tout à l'heure.
Bon, me revoilà après cette petite instant de vidéo. Bon, voyons les personnages. On retrouve plusieurs personnages venant de plusieurs épisodes. Donc, on a toujours Terry, Andy, Joe, Raiden qui fait son grand retour, absent depuis le Fatal Fury spécial, Xanfei venant de Real Boot 2, Kim présent depuis FF2, idem pour Mei, Andy toujours depuis le début. Duck est un personnage caché. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai déjà débloqué ainsi qu'un autre que vous montrerez après. Yamazaki, présent depuis le 3. Tsuguni, un personnage inédit à ce jeu. C'est, on la voit que là. Guise en boss final. Toji, encore un perso créé uniquement pour le jeu. Et enfin Billy Kane, l'âme d'année de Guise. Et en perso, un autre personnage caché, Mister Karate, qui n'est autre que Ryo de Art of Fighting, mais dans sa version Buriki On. Bah tiens, je vais le prendre pour des guys. Allez, Kotsurugi. Le jeu propose quand même de beaux artworks, ainsi que les illustrations de choix des personnages. Et c'est parti. Bon, premier constat. Le jeu est lent. Sérieux? Je le trouve vachement plus lent que les autres épisodes de la série. Faut dire que c'est un des premiers essais de SNK à la 3D. Et bien sûr, ça n'arrivera pas avant au moins Maximum Impact sur PlayStation. Pardon. C'est vrai que les décors sont assez simples, un fond en 2D avec un sol en 3D. Ce qu'on avait depuis les Tekken, quoi. Très belle illustration de Mei. Heureusement que c'est marqué parce qu'on la reconnaît pas. Mais bon, graphiquement, je le trouve quand même inférieur au Tekken et autres. Street Fighter X au Real Boot. Reverse Cool. Pourquoi je dis Real Boot? Et voilà, et un excellent. La jouabilité est assez dure. C'est-à-dire les personnages, comme je le dis, sont lents et rigides. Ce qui est un peu gênant. Comme quoi. Mais niveau musique, ça va. Pour la musique, rattrape un peu le coup. Mais il n'y a pas que ça dans le jeu, quoi. C'est-à-dire les musiques, c'est toujours du SNK comme on a toujours réussi à le faire. C'est de bonnes ambiances musicales. Mais il ne faut pas que ça pour un jeu. Bien sûr, j'aurais préféré tester la version arcade, voir si elle est meilleure ou pas que la version PlayStation. Mais malheureusement, cette version est très mal émulée sur MAME. Donc, j'ai préféré me rabattre sur la version PlayStation. Bon, pour l'histoire du jeu, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un remix du 1. C'est-à-dire, ça reprend l'histoire du 1. À savoir, comme vous avez vu dans la vidéo, Terry qui veut venger son père tué par Guise et donc qui participe au tournoi King of Fighters. Mais j'aurais préféré quand même qu'il garde plus de personnages du 1, ça aurait été plus logique. Mais bon, on peut pas tout avoir. Bien sûr, comme dans les derniers Real Boot et Fatal Fury 2, on a droit à un tour du monde, alors qu'un combat dans Sandton aurait été plus logique. Je trouve quand même dommage l'absence de Tang Furu ou de Zhu Bei.
voire même de May, de pardon, de Blue Mary. Ah, vous avez une vanne purée, comme vous pouvez voir. Graphiquement, ça fait moche. J'ai toujours trouvé coups spéciaux aussi, boule de feu et compagnie, en 3D, assez moche. C'était Just. Allez, Toji. Personnage assez saoulant du jeu. Vous allez voir. J'espère avoir la chance de le battre. Parce que des fois, il m'énerve un peu. Parce qu'il est petit et donc je te sens ça sauter trop pour le toucher. On va voir ça. Bien sûr, si on met pause, on peut par exemple avoir accès aux coups spéciaux. Exemple, par exemple. Ah, sa furie, donc c'est quart de cercle avant, quart de cercle arrière, bouton S. On va essayer, tiens, pour délirer. Voilà. Comme je vous dis, la jouabilité est tellement mauvaise, j'arrive pas à sortir l'attaque. Gagné, mais. Un deuxième combat. Allez, Raiden en boss, demi de parcours. Gagné. Combat suivant. Et bah ouais. Voilà donc Billy Kane. Comme quoi on est déjà bientôt à la fin du jeu. Ça commence bien pour moi. J'arrive même pas à le toucher. Ah, mais. Oh, perdu. Bon, comme il est impossible de changer de personnage après un continu, bah, je vais arrêter là. Donc, eh ben, au final, ce jeu, c'est le Fatal Fury que j'aime le moins. C'est le plus raté. Voilà. On se dit à la prochaine pour Garo. Allez, à plus, les gars!